ce que nous souhaitons, c'est que finalement les commerçants des autres rues participent également à ce mouvement vers la piétonnisation. On démontre que c'est possible, que les voitures peuvent accéder au parking de la République, par exemple, sans problème, par la rue Petite et la Réale, mais sans provoquer de nuisances au niveau de la rue des Augustins. C'est une évidence qu'un parking en centre-ville, au moment où toutes les villes souffrent de stationnement manquant, on ne peut pas se séparer d'un parking. Même si on fait une déviation signalée, balisée provisoirement, ce n'est pas une solution. On les amène beaucoup trop loin et les gens sont tentés de quitter finalement le centre-ville. Mais pour le commerce, quoi, les gens ne veulent pas fréquenter, notamment très peu cette rue, parce qu'il y a tout cet embouteillage de voitures. Alors nous, on nous parle du parking de la République qu'on est pris en otage par le parking de la République. Monsieur le maire nous dit, la rue des Augustins, il est impossible de la piétonniser, mais comme si on parlait de je sais pas quoi, quoi, c'est incroyable. Nous n'interdisons pas aux voitures d'accéder au centre-ville. La piétonnisation telle que nous la concevons devrait pacifier, on peut dire, les relations sociales dans le centre-ville et peut-être amener un nouveau décollage dans l'activité économique, quoi, hein.